Philippe Simo, traîné en justice par le journaliste Jacky Mwafou concernant l'affaire Liep Limal. Terra Luna en perdition, ses avocats jettent l'éponge. Toujours en restant chez Terra Luna, mais cette fois-ci, une information un peu réconfortante. Alors, elle est désormais listée à nouveau sur les exchanges Binance et eToro. Le rouble qui atteint son plus haut niveau depuis 5 ans et les acheteurs de gaz qui se plient aux volontés de Vladimir Poutine. Alors, salut à toi et bienvenue dans cette vidéo de l'ActuBif, le meilleur de l'actualité business, investissement, finance. Alors, si tu n'es pas abonné, je t'invite tout d'abord à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Sur cette chaîne, nous vous parlons de crypto-monnaie, investissement en ligne, bourse, trading et tout ce qui concerne l'économie digitale. Alors, plus de détails de ces titres après le générique. Alors, on commence donc avec le Terra Luna et ses avocats qui démissionnent un par un. Alors, bien que des plans de sauvetage de dernière chance soient imaginés pour sauver ce qui reste du token Luna et de son stablecoin, l'UST, autant pour moi, cela semble loin de convaincre tout le monde. L'équipe juridique du projet décide en tout cas de quitter le navire en perdition, comme nous allons le voir. Alors, petit rappel, depuis le 9 janvier 2022, le stablecoin UST de Terra Luna a perdu son indexation sur le dollar américain. Cela a eu pour effet d'entraîner avec lui le token Luna. Bien que la Luna Foundation Guide a vidé ses 3 milliards de dollars de Bitcoin de réserve, rien n'a été fait jusqu'ici pour relever la barre. Alors, cette situation a totalement découragé certains, dont notamment les membres de l'équipe juridique de Terra, et une cascade de démissions en a suivi après le crash du Terra. Alors, il s'agit notamment de Mark Goldin, l'avocat général, de Lawrence Florio, avocat en chef, et Noah Axler, l'avocat en chef de litige et de réglementation, qui ont tous cessé de travailler pour Terra. Les employés de l'entreprise ne sont pas les seuls à être déprimés car il y a de cela quelques jours encore, un investisseur ruiné et furieux s'est rendu à l'appartement de Dong Wong, le PDG de Terra, pour avoir des explications par rapport à la chute drastique du Terra et à l'avenir de celui-ci. Alors, cette mauvaise nouvelle n'empêchera pas les plateformes Binance et eToro qui avaient délisté le Luna il y a de cela quelques temps sur leur plateforme de les relister à nouveau, ce qui est le sujet du deuxième ActuBif. Et on passe ainsi au deuxième ActuBif du jour, toujours chez Luna, mais cette fois-ci avec une nouvelle un peu réconfortante. Alors, les plateformes Binance et eToro qui avaient de cela, il y a de cela quelques temps, suspendu le Luna de leur plateforme, les ont relistés à nouveau, mais avec des nouvelles conditions. Une semaine après avoir délisté le jeton Luna de son offre, eToro le propose à nouveau sur sa plateforme. Alors, on se rappelle encore du 12 mai dernier sur la plateforme eToro où ils annonçaient délister le Luna sur leur plateforme suite à sa chute de près de 100% de sa valeur. Dans un communiqué publié vendredi dernier sur leur plateforme, ils ont précisé les conditions de retour du token Luna sur leur plateforme. Alors, la première condition, c'est que le trading de l'actif se heurte à une limitation. Alors, la première condition du listing du Luna sur la plateforme eToro est qu'elle est désormais heurtée à une limitation. Donc, dorénavant, on ne pourra que trader entre 100$ et 2000$ uniquement sur la plateforme eToro. La deuxième condition est que l'effet de levier est complètement désactivé pour les nouvelles ouvertures de position. Alors, troisième et dernière condition est que les stop loss et les take profit sont également désactivés, que ce soit à l'ouverture d'une nouvelle position, mais également pour les positions qui avaient déjà été ouvertes avant. Alors, pour les utilisateurs ayant d'anciennes positions ouvertes, le communiqué précise également un certain nombre de points, notamment sur les positions ayant un paramètre no stop loss. Pour ce cas précis, la plateforme invite les traders à laisser ces positions ouvertes lors de la réactivation du marché. Il te remet également les investisseurs en garde sur le token Luna. Et il précise que veuillez garder à l'esprit que la liquidité de cet actif est instable et qu'il est possible que cet actif soit à nouveau désactivé dans l'avenir. Rappelons que le cours de l'actif a perdu près de 100% de sa valeur en l'espace de quelques jours en raison d'un dépeg du stablecoin UST au cœur de l'écosystème Terra. Binance, elle également, va emboîter le pas après avoir fait volte-face à plusieurs reprises. En effet, la plus grande plateforme de trading des crypto-monnaies du monde va à nouveau permettre le trading du token Luna. Alors, tiens pas ça, ou tiens quand même à attirer l'attention des utilisateurs qui ne sont pas assez renseignés sur la dilution du nombre de tokens Luna. Et c'est également que si le cours a aussi largement chuté,
C'est aussi parce que le nombre de jetons Luna en circulation est bien plus supérieur qu'avant le crash. Il serait aujourd'hui supérieur même à 6500 milliards de tokens. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que désormais, la plateforme semble estimer que les investisseurs de crypto-monnaies sont suffisamment au courant de la situation dans laquelle évolue le projet. Alors, troisième et avant-dernier ActuVive du jour, cette fois-ci, on est en Russie avec leur monnaie, le rouble, qui a atteint ce plus haut niveau jamais atteint depuis 5 ans. Alors, le rouble a clôturé au plus haut niveau depuis 5 ans par rapport à l'euro, car de plus en plus, les entreprises européennes semblaient se conformer à la demande de Vladimir Poutine de payer leur gaz en monnaie russe. Le rouble à cet effet a donc bondi de 9% face à l'euro et a terminé sa séance de vendredi 20 mai de 2,8% par rapport au dollar américain. La devise russe est ainsi en train de devenir la monnaie la plus performante de cette année. Alors, le contrôle des capitaux, l'effondrement des importations, la flambée des prix de l'énergie sont les éléments qui ont concouru à rendre le rouble environ 20% plus fort qu'avant l'invasion de l'Ukraine il y a de cela quelques mois. L'assouplissement progressif des restrictions sur le marché par la Banque centrale n'a pas été en mesure d'inverser l'appréciation, ce qui pourrait devenir un problème pour le budget car une grande partie des revenus proviennent des devises étrangères. En plus de cela, de nombreux clients étrangers de Gazprom se conforment aux exigences de Poutine en ouvrant des comptes en devises et en roubles auprès de la banque de prêt du géant gazier Gazprom Bank pour transférer des fonds à convertir. La pression sur le dollar et l'euro augmentera en mesure que de plus en plus des acheteurs de gaz ouvriront des comptes spéciaux, a déclaré George Pachenko, chef du département des opérations boursières russe chez Freedom Finance. Il n'y aura pas de pression tous les jours et la monnaie pourra retomber dans 1 dollar valait encore plus de 70 roubles il y a de cela quelques temps. Aujourd'hui, vaut plutôt 62 roubles, mais les prévisions d'après les experts disent que d'ici quelques temps, cela pourrait valoir plutôt 50 roubles pour 1 dollar. Les échanges de l'euro en rouble ne font que augmenter de plus en plus. Dans le cadre du nouveau mécanisme, les importateurs du gazoduc russe doivent créer deux comptes à la Gazprom Bank pour gérer les paiements de carburant. Plus de la moitié des 50 clients de Gazprom ont déjà ouvert de tels comptes. Alors, d'après les experts, le taux d'échange pourrait potentiellement aller encore plus fort. L'excédent de liquidité des devises fortes ne peut pas être absorbé par les moyens internes. Les banques sont de moins en moins intéressées puisqu'il n'y a pas de demande et la population n'a aucun moyen de l'utiliser. En gros, Poutine lance les Russes dans une chasse sauvage du dollar sur le marché noir. Et enfin, quatrième et dernier ActuVive du jour, affaire Liep-Limal. L'entrepreneur Philippe Simo se fait traîner en justice par le journaliste Jackie Miapou. L'entrepreneur Philippe Simo, qui est l'un des tout premiers web influenceurs à avoir alerté l'opinion publique sur le caractère frauduleux de Liep-Limal, se fait traîner en justice par le journaliste Jackie Miapou. Le patron de JMTV Plus accuse son compatriote Philippe Simo de diffamation et réclame 70 000 euros de dommages et intérêts. Pour justifier ce montant assez énorme quand même, il évoque des préjudices matériels, entre autres la perte de l'audience sur ses différentes plateformes web, mais également des préjudices moraux tels que la dépression. Alors, tout a commencé par une invitation de Philippe Simo, le promoteur de Investir au pays, sur le plateau TV de JMT Plus de Jackie Moifou sur la question Liep-Limal. Il faut également rappeler qu'en ce moment, Liep-Limal se portait merveilleusement bien et respecter encore son contrat. Alors, Jackie Moifou, qui faisait déjà partie du réseau Liep-Limal, s'est fait passer pour un curieux qui voulait juste en savoir plus. Philippe Simo se rendra plus tard que cette interview n'était qu'un moyen de le ridiculiser en public. Alors, lorsque l'arnaque de Liep-Limal va se faire découvrir plus tard, Philippe Simo reviendra donc sur les faits pour dénoncer la méthode utilisée par le journaliste à l'époque. Alors, à ce sujet, Philippe Simo dit, je cite, quand on a découvert il y a de cela quelques semaines que Liep-Limal était une grosse pyramide et que beaucoup de gens s'étaient fait arnaquer dedans, j'ai refait des vidéos et j'avais mis en avant Monsieur Moifou avec son média, avait grandement contribué à désinformer les gens, à tromper les gens et à les pousser à mettre leur argent dans ce système de Ponzi. Lui-même a parrainé beaucoup de gens. Ce sont ces propos qui ont déplu le journaliste et qui estime que son image a pris un coup avec cette affaire. Certainement, au moment où vous allez regarder cette vidéo, le procès se serait déjà déroulé car il est prévu pour le 21 mai. Philippe Simo avait-il raison d'avancer de tels propos vis-à-vis du journaliste? Le journaliste a-t-il vraiment piégé Philippe Simo? D'après vous, quelle sera l'issue de ce procès? Alors, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que les titres ont été enrichissants. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Vous savez ce qu'on dit chez nous, l'argent, c'est le nerf de la guerre.